Et bah ça alors Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques jours, on a vu dans une vidéo que pour la première fois, l'Arabie Saoudite allait laisser participer une femme à l'élection Miss Monde, ou Miss Univers, je sais plus. Et que du coup, ça faisait un tollé, notamment chez les colons présents en France, qui étaient plus radicaux que l'Arabie Saoudite. Mais j'avais trouvé ça bizarre tout de même, pourquoi maintenant l'Arabie Saoudite se dit, tiens, je vais laisser une femme concourir, etc. En sachant que les conditions de la femme en Arabie Saoudite c'est quelque chose, hein, c'est pas c'est pas les valeurs occidentales. Hein. Euh, les féministes en France se plaignent du patriarcat. Va euh, bah, pas vivre en Arabie Saoudite quoi. Et donc du coup, est-ce que ça serait pas un moyen de donner un gage, euh, histoire de montrer patte blanche, pour mieux infiltrer euh, les institutions ultra puissantes dans le monde. Exemple, l'ONU. Je pense que euh, ce genre de pays qui sont un, un fléau, hein, c est, c est, ces pays sont absolument des fléaux, essayent de s'imposer sur la, sur la scène internationale. Parce que imaginez des grandes institutions comme l'ONU ou ce genre de choses infiltrées par euh, des islamistes, par des musulmans, hein, euh, voilà, ça serait pas le top. Imaginez que des musulmans du Moyen-Orient tire les ficelles des institutions occidentales, c'est pas top. Déjà que ça arrive, on avait vu, en Allemagne, il y, a un, il y a un parti turc qui s'est présenté. Euh, en France, je crois qu'il y, qu y a un parti musulman pour, pour le truc de la fac, là. Donc, petit à petit, en fait, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a des musulmans quelque part, ils restent en groupe, ils essayent d'avoir du poids dans cette communauté. Donc, si vous voulez, nous, on n'est pas chez eux, mais eux sont chez nous, partout. Voilà. Et donc, ils restent en groupe, ils restent soudés à euh, leur secte et essayent de tirer les ficelles euh, s'ils sont en minorité et quand ils seront en passe de devenir en majorité, ils n'auront même plus besoin de se cacher et euh, ça sera, euh, voilà. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est une menace perpétuelle. Voilà. Il ne faut pas deux chez nous. Aucun. Zéro. Il n'y a pas de oui mais lui il est gentil. Ok, super. Euh, oui, ok. Euh, ça, ok, super. Là, euh, quand le sage montre la lune, l'idiot re regarde le doigt. Je m'en fiche qu'il y en a un ou deux qui sont sympas. Euh, ça reste une menace. Bon bref, donc on va voir ça. Donc l'Arabie Saoudite choisit pour présider la commission pour les droits des femmes à l'ONU. Donc déjà là c'est un sketch si tu veux. Là c'est un sketch. L'Arabie Saoudite va présider la commission pour les droits des femmes à l'ONU. Et c'est pas euh, Groland, c'est pas le, le Gorafi, hein, c'est... Voilà. Le Royaume Saoudien a été choisi pour présider la 69e commission. Onusienne de, de la condition de la femme en 2025, une décision controversée au vu des conditions de vie des femmes saoudiennes malgré de récentes réformes. Donc en fait, la vraie question c'est qui a accepté. Euh, Est-ce qu'ils ont été payés? Est-ce qu'il y a eu des gages euh, du style bah tu fais ça et on fait ça? Là, 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 ça peut se poser parce que je pense que c'est pas le choix le plus logique en fait. C'est pas le choix plus logique. Donc l'Arabie Saoudite a été élue mercredi 27 mars à la présidence de la 69e Commission de la, com de la Condition de la Femme aux Nations Unies, censée œuvrer pour les droits des femmes et l'égalité des sexes dans le monde, en Arabie Saoudite. Sans candidat rival ni objection de la part des 45 membres de la Commission, l'ambassadeur saoudien Abdulaziz Al-Zawi a été élu par acclamation, acclamation, lors de la réunion annuelle de la Commission à New York. Après un an seulement à la présidence de la Commission, les Philippines auraient dû rester encore un an à, la à sa tête, la durée classique d'un mandat étant de deux années. Mais il semblerait que ce pays ait fait l'objet de pressions de la part de pays d'Asie, selon des informations du journal The Guardian, pour céder leur place un an plus tôt. D'après le, le quotidien britannique, le Bangladesh était censé leur succéder, mais l'Arabie Saoudite se serait imposée en termes de lobbying vu par beaucoup comme une tentative de redorer son image. Contextion Contestation extérieure. Cette nomination s'est faite sans l'opposition des autres membres de la Commission, au moment où le président sortant, l'envoyé philippin auprès des Nations Unies, Antonio Manuel Langameo, demande aux cinq membres s'ils ont des objections, le silence règne dans l'hémicycle. Je n'entends pas d'objection, déclare-t-il, c'est donc décidé. En revanche, plusieurs voix extérieures se sont élevées pour dénoncer cette décision dès la veille de l'annonce attendue. Sherine Tadros, responsable adjoint du travail, du plaidoyer Amnesty International a rappelé le sens de la Charte des Nations Unies qui énonce clairement comme l'un des principaux objectifs de l'ONU le respect des droits humains. Être membre de ces organes chargés de défendre les droits humains implique une responsabilité supplémentaire en vue de consolider ce respect au niveau mondial et national, a-t-elle expliqué. D'autant plus pour assurer des rôles de direction au sein de ces organes. Ok, euh, je où Or, elle n'hésite pas à qualifier de catastrophique le bilan de l'Arabie saoudite lorsqu'il s'agit de protéger et de promouvoir les droits des femmes, et affirme que ce bilan met en lumière le fossé entre la réalité que vivent les femmes et les filles dans le pays et les aspirations de la commission. Sur XX Twitter, Louis Charbonneau, directeur du plaidoyer auprès des Nations Unies à Human Rights Watch, a exprimé la même indignation au nom de l'organisation dénonçant un mépris choquant pour les droits des femmes partout dans le monde, un pays qui emprisonne des femmes simplement parce qu'elles défendent leurs droits à Sentil. C'est un beau pays, hein on allons y a envie d'y aller. N'a rien à faire au sein du principal forum des Nations Unies pour les droits des femmes à l'égalité des sexes. Il exhorte les autorités saoudiennes à démontrer que cet honneur n'était pas totalement immérité et à libérer immédiatement tous les défenseurs des droits des femmes détenus. Mettre fin à la tutelle masculine et garantir le plein droit des femmes à l'égalité avec les hommes. Droits des femmes en Arabie Saoudite. Si la place des femmes dans le royaume s'est fortement améliorée ces dernières années, les laissant notamment libres de conduire. Wouh Alors là, je sais pas si t'imagines. Là, ils ont lâché du lest. Ok les gars. On va être souple. On va dire aux bonnes femmes qu'elles peuvent conduire. Incroyable, hein euh, nanana, de ne pas être voilée dans l'espace public ou de détenir un passeport pour voyager, elle n'en reste pas moins l'une des plus répréhensibles au monde. Sans répondre directement aux reproches qui lui ont saufé, l'Arabie saoudite a rappelé sa loi de 2022 sur le statut personnel pour témoigner des avancées des droits des femmes saoudiennes. La loi dispose, par exemple, que la dot appartient à la femme sans qu'elle ne soit tenue de la mettre à la disposition de qui que ce soit. Elle énonce également qu'un tuteur masculin n'a désormais plus la possibilité d'interdire à une femme de se marier avec l'un de ses pères. Cependant, elle affirme aussi qu'une autorisation d'un tuteur masculin reste nécessaire pour qu'une femme puisse se marier, qu'une femme doit obéir à son mari d'une manière raisonnable et que le soutien financier de son mari dépend de l'obéissance de la femme. Ce soutien financier peut également être retiré en cas de refus d'avoir des relations S avec son mari, de vivre dans le domicile conjugal ou de voyager avec lui sans excuse légitime. Ça doit être bien d'être femme en Arabie Saoudite. On doit rigoler. Hein. Face à un tel bilan, la nomination de l'Arabie Saoudite à la tête d'un forum sur les droits des femmes ne fait donc pas l'unanimité. C'est pas vrai. Mais le pays n'est pas le premier à susciter la controverse dans le cadre de cette commission. Trois ans plus tôt, le choix de l'Iran pour sa présidence en 2021 avait déjà suscité des contestations. C'est bizarre, c'est toujours les mêmes types de pays. Hein Ouais. C'est toujours les, les pays avec une religion qui domine. Ouais et toujours la même, la même religion, ouais, étonnant, hein est-ce que cette religion n'aurait pas un problème avec les femmes Une question qui peut se poser, hein. Bon, c'est une question rhétorique, bien évidemment, la réponse est oui. Ensuite, est-ce que ça serait intéressant de, de dire pourquoi Est-ce que peut-être parce que les hommes auraient un problème de de confiance en eux, ils veulent posséder, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils fantasment plus que tout sur la virginité de la femme, c'est pour les marquer. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est un confiance d'ordre personnel. Hein. C'est quand t'as pas confiance en toi, tu essaies de tout contrôler, etc. Voilà. Et ça, c'est ce que nos chers gauchistes font venir par milliers chaque année. Et ces milliers se reproduisent sur le sol français et ça donne... roulement de tambour des français bah oui bien évidemment bien évidemment mohamed fait 15 enfants à raïcha à rachida voilà euh, ils sont musulmans ils portent des jupes dans leur sorte de tunique je sais pas quoi là euh, ils sont polygames mais c'est des français parce qu'ils sont nés sur le sol français oui oui c'est incroyable hein. la république c'est merveilleux quoi c'est merveilleux J'arrive même pas à comprendre comment on puisse défendre ça, quoi. C est, c est, euh, voilà. Alors oui, quand t'es de gauche, bien sûr, tu sais que ça fait euh, des électeurs, pour toi, voilà. Donc, euh, forcément que t'es content, quoi. Faites 15 gosses, ouais, ça fait 15 voix. 15 voix, gauche, voilà. voilà. Alors, après, euh, ça fait combien de dégâts Ça, c'est la balance du pour et le contre, hein, mais bon. Bon, bref, c'est absolument incroyable, c'est... Le, le, vrai, le vrai problème, c'est que euh, ces forces essayent de s'imposer sur, euh, sur la scène internationale et on les laisse faire. C'est absolument dramatique parce que, alors ok, ils ont de l'argent, ils ont le pétrole, ils ont tout ce que tu veux, mais bon, c'est dramatique parce que l'Occident a encore euh, le, le pouvoir de nuire, je veux dire. Euh, si euh, l'Occident s'énerve, euh, ça va faire très mal. Mais l'Occident est bienveillant. L'Occident est bienveillant si ça serait... imaginé un monde dystopique où euh, l'État islamique aurait la place de euh, l'Occident, c'est-à-dire aurait euh, la bombe nucléaire dans plusieurs pays, etc. Bon, euh, en tant que blanc-cateau, ou même juste blanc, t'es un... Voilà, t'es un couffard Bon, là c'est terminé, quoi. L'Occident, c'est pas ça. Même la Chine, en fait, même si la, si la Chine aurait sa puissance, cette puissance, pardon, je pense qu'il y aurait beaucoup de dégâts. Et en fait, l'Occident est trop gentil. Beaucoup trop gentil avec ces gens. Et on les laisse petit à petit gratter, venir à nous. Et c'est pas bien, en fait. C'est vraiment pas bien parce que dans les jeunes... Dans, pour les générations futures, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe parce que ces gens ne sont pas bienveillants, pas bienveillants du tout. Ils ne veulent pas ton bien. Hein Ce qu'ils veulent, c'est euh, l'islam mondial. L'islam mondial, pardon. Et si t'es pas content, euh, bah c'est pas le top. Voilà, euh, tu as passé un sale moment. Donc c'est pas bien. J'espère que l'Occident va se réveiller mine de rien et qu'on va remettre tout en place parce que le futur fait peur, mine de rien. Ciao.